Mesdames et messieurs, bonsoir. Bah, je suis désolé, vraiment, vraiment désolé, parce qu'aujourd'hui, on a fait Health Talks. C'est un programme que je fais sur ma chaîne. Et bon, on parle de la santé avec Tessa van der Steen, Your Health Coach. Et puis bon, bah, j'ai fait ça à 2 heures. Après, j'ai dû rentrer à la maison. Après, j'ai fait le vlog en anglais. Et bon, comme vous savez, à chaque fois, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Mais à cause du vlog que j'ai fait, le premier vlog que j'ai fait aujourd'hui sur la santé, là, j'ai un meeting à 6 heures et je dois partir, je dois me préparer, ce qui fait que bon, je ne vais pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé pour aujourd'hui, mais vous en faites pas. Ce que je vais faire, je vais passer pendant la semaine en français et puis je vais vous adresser parce que bon, ben, c'est les vacances, hein, c'est les rally days. Bon, ben, quand même, hein, faut que je me rattrape là. Alors, vraiment désolé du fait que je ne suis pas là pour vibrer comme je fais d'habitude. Désolé. Mais, comme je vous ai dit, je vais vous faire une surprise. Des surprises, voilà. À travers la semaine, je vais passer, voilà, pendant 10-15 minutes pour faire un mini-vlog en français pour vous, mesdames et messieurs. OK? Alors, bon, ben, qu'est-ce que je... Aujourd'hui, la conversation, bon, c'était sur le fait que, bon, les mots qu'on parle ou les mots qu'on met dans l'univers, très souvent, font en fait que, bon, ça nous dirige dans une certaine direction. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui fait que, bon, si vous parlez les mots que vous utilisez, par exemple, si vous parlez de vous-même, quand vous dites oh, je peux pas, c'est trop difficile, oh là là, j'en peux plus. Alors, j'ai utilisé une analogie, une montagne, ok? Cette montagne, elle représente notre vie à tous. Et à travers notre vie, en montant cette montagne qui est notre vie, bon ben, on a des hauts et des bas. Des fois, on fait 2 pas en avance, puis des fois, on fait 3 pas en arrière. Voilà, c'est ça. Et le but, en vrai, c'est à chaque fois qu'on fait des pas, c'est de solidifier les pas que l'on fait vers l'avant dans nos aventures, voilà, dans notre vie. Et ce qui fait que, bon, si on commence à utiliser des mots qui sont beaucoup plus... qui nous inspire beaucoup plus, ce qui fait que bon, quand vous utilisez je peux, qui peut, qui le veut, peut, c'est comme ça. Ah, Ludmila, merci, merci, Ludmila est là. Ludmila, elle est sur Health Talks, Fabs font des vlogs, ça donne, ça donne, ça donne, ça donne, chaque week-end. Merci, merci beaucoup. Alors, je disais donc, les mots qu'on utilise dans notre vie sont très importants. Et c'est pour ça que quand vous traînez avec des gens qui utilisent des mots négatifs, comme vous par exemple, oh non, tu peux pas faire ça, ne les écoutez pas. Parce que ça, c'est du bruit ça. Ce qui fait qu'il faut le réduire, ce bruit-là. Il faut le réduire à zéro. I don't get it. Okay, guys. Okay, we got cut off. I think the reason why I got cut off the first time is because my cable at home was not in properly. That's what happened. This time, oh, excusez-moi. Alors, quand j'ai essayé la première fois d'arriver ici pour faire mon Fab's Fun Day Vlog en anglais, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais là, je parlais à tout le monde, blablabla, puis d'un coup, je me suis fait couper et j'ai cru que bon, ben, c'était le mon internet, non, 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 ce n'était pas ça, c'était le câble. Voilà, c'était le câble de l'internet qui a déliré. Alors, pour en venir à ce que je parlais, excusez-moi là, parce que je me suis pris 1 heure et demie en anglais, et puis là, j'essaie de vous faire un petit truc le plus rapidement possible. Mais comme je vous ai dit, cette semaine, je vais passer, et puis je vais vous faire un bon truc. Parce que je dois, c'est ce que je fais, et je vous ai promis,
Et je suis une personne qui a un mot, et quand je vous donne un mot, je dois le faire. C'est comme ça, je peux pas. Je suis fait comme ça. Voilà, le deuxième est fini. Voilà, et en général, quand j'ai fini le deuxième, en général, bon, ben, j'ai presque fini ce vlog-là, où on est à la moitié. Mais bon, à cause du temps aujourd'hui, à cause de l'autre vlog, j'ai pas eu le temps de venir ici, de faire mon truc. Et en général, après le vlog en anglais, je me repose un petit peu, je mange un petit truc, et après, comme ça, ah, je suis prêt à y aller. Là, je n'ai même pas pris de break, je retourne ici, je le fais en français, et ouh là 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 là, je suis fatigué. Pas fatigué, mais fatigué mentalement, parce que je dois tout changer là. Parce que bon, c'est comme ça. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir. Je suis venu ici pour m'excuser tout d'abord. Alors, je suis désolé pour aujourd'hui. C'est fait que je ne vais pas rester ici, je ne peux pas. Je me suis dit, peut-être que je vais le faire, je peux le faire, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Il y a un certain système, il y a un certain truc que je fais en général avec vous. Il y a mon monologue qui arrive, et puis voilà, je fais le truc. Après, je rentre dedans, puis je m'habitue à parler la langue française, parce que bon, d'abord, c'est pendant 1 heure et demie, je suis en anglais, et après ça, je me mets ici pour, voilà, pour. Comme je vous dis, ça commence lentement, et après ça, quand je suis bien, quand j'arrive à me séparer du fait que je dois traduire, et puis je suis dans ma zone de confort, là, ça commence à y aller bien, 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 et puis les mots, ils m'arrivent tout seuls. Mais là, je pense, ce qui fait que bon, ben. Ah, Feu Richard! Bien sûr que Feu allait revenir ici. Merci, merci Feu pour ton support. Merci Ludmilla pour le support. On ne va pas rester ici trop longtemps, comme je vous ai dit. Je vais essayer de mon mieux pour rester ici, peut-être que ça va sonner. Et après, quand ça sonne, c'est-à-dire que bon, la voiture est là et je dois y aller. OK? Alors, avant de partir, je vais vous donner un petit truc quand même. Alors, je vais essayer de me concentrer et de vous donner un bon truc avant de partir, pour les francophones, pour les franglophones. Alors, le titre du vlog aujourd'hui, que j'allais utiliser pour aujourd'hui, c'était que les mots et les pensées pour nous emmener où on veut aller. Alors, ce qui fait que si vos pensées sont, je peux utiliser le mot négatif, mais si vos pensées sont négatives, elles vont vous garder dans la misère. Si vos pensées sont positives, mais bien sûr, avec le positif, il y a aussi, faut y croire, mais bon, faut y aller. Il y a ça aussi, hein. Oh, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais bon, faut y mettre. Faut en mettre. Le boulot, faut pa, 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 faut y aller. Alors, ce qui fait que bon, comme vous hésitez, hésitez et y allez. C'est l'opposé. Alors, c'est quoi la réaction? Action. C'est égal à la réaction. Si vous hésitez, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous essayez, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un truc de nouveau qui va arriver là, et vous allez sentir quelque chose. Et après, vous allez espérer. Et après, de l'espérance, vous allez passer à croire. Vous allez commencer à croire. À croire au fait que, bon, peut-être je peux le faire. Alors, quand vous arrivez dans ces eaux-là, faut rester là. Faut le boulot, faut le mettre. Parce que bon, y croire, c'est une chose. Mais il faut y aller. Parce que sans le boulot, rien ne va se passer. Ça, je vous le dis tout de suite. J'en suis pas arrivé comme ça, par accident. Parce que j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. J'ai planté, c'est comme j'ai dit, j'ai planté ces graines. J'ai planté ces graines à travers ma vie. Et puis bon, ben voilà, je les ai arrosées, arrosées, arrosées. Et comme j'ai dit dans l'autre vlog, bon, ben là, je me suis remis à dessiner. Après du dessin, je suis reparti à la peinture. Et puis de la peinture, à cause de la peinture, à cause de dessiner, tout ça, ça a créé une réaction. Et là, je me suis dit, ah, mais bon, je me sens super bien quand je fais ça. Quand je peins, quand je dessine, et à cause de m'y être remis, là, je me suis dit, c'est quoi? Parce que ça me peut, en général, les choses me tournent autour. Voilà. Dans mon univers, je suis le soleil. Je suis le roi soleil.
Et puis autour de moi, il y a toutes ces planètes-là. Et dans chaque planète, il y a des univers différents. Voilà. Et puis des fois, quand certaines planètes ou mes bulles, elles m'envoient des messages. Bon, et je le sens, je fais. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que je dois lire les signes. Ce qui fait que ces signes-là, je les suis, mesdames et messieurs. Et ce qui fait que, bon, je me suis dit, va falloir que j'inclue l'art dans ma chaîne YouTube. Parce que c'est un truc qui fait partie de moi. C'est une extension de moi. Ce qui fait que, bon, en 2021, je vais ramener un autre programme. Et ce qui fait que je vais inclure mon art, est-ce que je fais et pourquoi, comment, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, c'est ça. C'est une des choses que je vais ramener en 2021. Et pour moi, je vais le faire en français. Je vais ramener un autre programme aussi, pas un autre programme, mais on va avec Health Talks. Si vous êtes anglophone et vous venez d'arriver et vous avez accès à cette vidéo parce que vous n'avez pas vu l'autre, parce que bon, je ne sais pas qui va regarder ces vidéos, ce qui fait que je me répète souvent, parce que comme je dis, vous ne regardez pas ça maintenant. Si vous n'êtes pas partie de la communauté maintenant, là, mais peut-être que dans 1 mois ou 2 mois, par accident, vous allez tomber là-dessus et voilà, tralala. Alors, ce qui fait Fab More Than, on me connaissait avant en tant que Milli Vanilli. Je suis chanteur, parolier, producteur, entre autres, et je fais d'autres choses. Et ce qui fait que, bon, ben, ici, le dimanche, les gens viennent ici, on parle de l'amour, on parle du bonheur et de la balance humaine, de notre balance humaine à l'intérieur. Et ça, quand on arrive à les pas les contrôler, c'est pas le mot contrôler, mais on arrive à les modeler, vous allez entrer dans un univers complètement différent. Et quand vous entrez dans ces univers différents, vous allez vous sentir beaucoup plus le café, le grain là. Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus confortable. Et quand vous vous sentez beaucoup plus confortable, bon, ce qui fait que bon, vous allez pouvoir faire vos trucs. Voilà, c'est ça. La vie, elle est là pour être vécue, mesdames et messieurs. Et ce qui fait que le temps, qui est une des commodités les plus importantes au monde, parce que l'argent, ça se perd. Voilà, c'est comme de l'eau. Oh, voilà, ça se perd. Ça peut toujours se refaire. Mais le temps, quand il est dépensé, bam, il est parti. Il n'est plus là. Oh là là. Alors, avant de partir, parce que je dois partir, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je vous ai promis 15 minutes. Voilà. Désolé, désolé, désolé du fait que bon, je ne peux pas être ici aujourd'hui. Mais là, voilà, je commence à m'acclimater, à parler ma langue natale. Et là, juste quand je commence à me sentir et j'arrive à trouver là où je vais partir, je dois partir. Alors, feu, je te pose juste une question et je te laisse tranquille. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un problème à regarder. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, la vie, j'ai commencé à. Quand ma vie a commencé à changer, avant j'étais un poulet. Un poulet qui essayait de décoller. J'ai utilisé cette analogie avant. Et bon, j'essayais de décoller, ça ne partait pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à acquérir plus d'informations, de knowledge, comme on dit en anglais, d'informations sur moi-même aussi. De la manière dont je bougeais mes patterns, de la manière dont je bouge les décisions, pourquoi j'ai pris des décisions comme ça, pourquoi, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait des choses sur lesquelles je devais travailler sur moi-même, ce qui fait que mes plus et mes moins, voilà, comme ça. Et ce qui fait que, bon, là, quand j'ai commencé à reconnaître mes plus et mes moins, j'ai commencé à résoudre mes problèmes. Voilà. Et une fois que j'ai commencé à reconnaître mes plus et mes moins, ça m'a permis d'évoluer. Voilà. Et ce qui fait que quand ça m'a permis d'évoluer, j'ai commencé à mes ailes ont commencé à s'épanouir. Et ces ailes-là, tous ces outils, mes plus et mes moins, à cause du boulot que j'ai fait, j'ai commencé à voler un petit peu. Puis comme ça, d'un coup, j'ai commencé à voir la vie de haut. Voilà. Et ce qui fait que j'ai commencé à voir cette perspective-là, la vie a complètement changé. Parce qu'avant, je voyais rien, je voyais tout ça. Je voyais ma vie, c'était une dimension. Alors que la vie, elle a plusieurs dimensions. Ce qui fait que, bon, j'ai créé cette analogie dans ma tête où
Je suis assis en lotus et quand je pense à des problèmes, parce que la décision à la fin, je la prends ici, c'est dans l'instinct. Mais c'est un cube et le cube, je le tourne et chaque facette du cube, c'est une facette de la situation à laquelle je regarde. Je regarde la situation d'un côté différent. Voilà, du haut, du côté, d'en bas, voilà. Et à la fin, après avoir analysé tout ça, je prends ma décision. Ma décision, je la prends d'ici. Je ne la prends pas d'ici. Voilà. Voilà. Alors bon, un problème à résoudre? Non, la vie, c'est pas un problème à résoudre. C'est la vie, elle est là pour être vue. Il faut la vivre, la vie. Voilà. Mais il faut la vivre. Faut la vivre de l'avant. Il y a ça aussi, parce que. Et je veux dire que là, il y a des gens qui restent ancrés dans la misère, dans je ne peux pas faire ça, comment je vais faire? Alors que bon, au lieu de penser au fait que bon, ça doit être parfait, rien n'est parfait. Même si c'est parfait au début, et vous faites des erreurs, et vous dégringolez, et vous tombez, éventuellement, vous allez créer quelque chose à laquelle vous allez pouvoir vous accrocher et dire, ah, ok, alors quand je fais ça comme ça se fait comme ça, et ce qui fait que quand je fais ça, ça me ramène dans une direction, ça me rapproche, je me rapproche d'où je veux aller. Voilà, c'est ça. Au Brésil, ouais. Alors, mesdames et messieurs, bon, bah, j'ai passé les 15 minutes, mais ça me fait mal, je suis vraiment désolé que je ne peux pas vous parler beaucoup plus longtemps. J'aurais bien voulu y aller, là, parce que là, je sens que, bon, je me suis réchauffé, voilà, même si je suis un peu fatigué mentalement. J'ai senti que, bon, avec ton aide, feu, ça m'a permis de penser à quelque chose d'autre et de vous amener quelque chose d'une manière différente. Parce que, bon, la langue anglaise, elle est différente que la langue française, c'est clair. Ce qui fait que, bon, quand je fais le truc en anglais, c'est d'une certaine manière. Bon, il y a aussi la culture anglaise ou américaine ou blablabla, tu vois. Mais alors que la culture française, bon, elle est complètement différente. Ce qui fait que quand je. Mais il y a des choses c'est la même chose, voilà. Les mêmes règles vont pour que ce soit anglais, français, allemand, c'est la même chose. Il y a des règles qui comptent. Mais à cause de la culture, il y a les choses dont on parle et de la manière dont on les apporte, c'est différent. Voilà. Parce que bon, c'est les langues, c'est fait comme ça, mesdames et messieurs. Ce qui fait que bon, je m'exprime différemment avec la langue française. Bon, comme vous avez noté aussi, ma voix aussi, elle est différente quand je parle français. Parce que c'est comme ça, je change. Voilà. Là, je suis en anglais, je suis là, et après, bon, je viens ici, et puis je suis différent. Voilà, c'est ça. Mais c'est toujours la même chose, mais bon, c'est différent, voilà. C'est la même chose, et c'est différent en même temps. Voilà. Alors, okay. Je vais vers feu, parce qu'il est. Ok. Une dernière question. Ok. Bon ben voilà, mesdames et messieurs, hein. Je pense que j'y suis arrivé. La fin est arrivée. Je suis désolé. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say you don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile into the rising sun. Three little birds sit at my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you. Say you don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say you don't worry about a thing, 'cause every little thing it's gonna be all right. Ouais, mesdames et messieurs,
Comme vous le savez, quand je chante cette chanson, c'est la fin. Alors, feu, ce sera pour la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au prochain épisode. Voilà. Ok. Brasil, Brasil, tout bon. Obrigado, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci pour les franglophones qui sont passés encore. Même si c'était court cette fois-ci, je sais que vous êtes habitués à rester ici pendant 45 minutes à 1 heure. Mais bon, si vous êtes francophone, c'est fait que vous avez vu Health Talks, qui était super cool sur la santé. Si vous pouviez comprendre le français, mais l'anglais, mesdames et messieurs, c'est super cool. L'information que je donne, oh là là, c'est incroyable. Ce sont des clés pour le succès. Je ne vous dis pas. Ah là là, j'aimerais bien le faire en français, mais bon, c'est trop compliqué pour moi. Ludmila, oh là 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 là, Ludmila Oprea, elle supporte la chaîne, c'est incroyable. Respect. Merci beaucoup. Et puis bon, ben, ah, une dernière, faut-il être amoureux pour écrire ou chanter l'amour? Non, pas nécessairement, parce que bon, non, la chose, il faut comprendre, l'amour, il faut le sentir. Si vous comprenez l'amour, bien sûr qu'on peut parler, ok. Non, 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 on n'a pas besoin d'être amoureux pour parler de l'amour. Non, non, non. Mais une fois qu'on a découvert l'amour, parce qu'il y a beaucoup de, il y a l'amour maternel, il y a l'amour paternel, il y a l'amour avec votre femme, avec vos enfants, voilà, il y a différents, mais il faut comprendre l'amour en général. Quand on comprend l'amour en général, avec ces diverses couches, là, quand vous comprenez ça, vous pouvez écrire des trucs incroyables. Et ce qui fait qu'avec le temps et l'expérience, bon, mais c'est ce que je fais. Voilà, c'est ça, quand j'écris des chansons, moi, je pars de l'amour de l'amour pour la race humaine. C'est très important, l'amour de notre frère et de notre sœur, parce qu'on fait partie de la race humaine. Et il n'y a qu'un toi pour moi. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'un toi, la planète Terre, voilà, c'est ça. Et puis, on est tous humains, êtres humains, et on doit se respecter et faire attention aussi à nos frères et sœurs. Et c'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais ici, en sorte. Voilà, c'est ça. Alors, pow, 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 Maya Brooks, merci beaucoup. Ludmila, OK, elle a posé la question. Voilà, j'ai pris ta dernière question, là. Je dois partir, sinon je vais être en retard, mesdames et messieurs. OK. Non, je vais partir là. Alors, à la prochaine. On s'y est au courant. Et ça m'a vraiment plu d'être ici. Marie-Paul Delorme, désolé, je me casse là. Parce que bon, je suis arrivé en retard. Et bon, je sais que tu es francophone. Toi, va voir Health Talks. C'était super cool. OK. Bye bye, bye bye everybody. It was so cool. It was nice. I'm so glad I was able to make that. Oh, désolé, mesdames et messieurs. Vous avez vu, j'ai pas commencé à parler en anglais. Non, je suis vraiment content que je suis passé ici et que j'ai pu vous donner un petit peu de cette énergie pour la semaine. Hein. Alors, pow, 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 on se voit la semaine prochaine. Mais entre-temps, on va se voir aussi parce que je vais venir vous parler, bien sûr. Pour continuer la conversation, je prends note et puis on va continuer. Voilà, c'est ça. Peut-être que je vais enregistrer, peut-être que je vais venir live. Feu, fais attention parce que j'ai besoin de toi. Si tu as des questions, prépare-les. Comme ça, ouais, c'est ce qu'on fera, on va faire comme ça. Prépare les questions sur le sujet qu'on a entamé avec le vlog en anglais. Pose-moi les questions en français et puis je vais y répondre. Tu vois, tu viens ici, quand j'arrive, bon, je suis sûr que tu me vois toujours. Et puis on fait comme ça, tu me passes les questions et bam, 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 comme ça cette semaine, je vais faire ça peut-être deux fois. Et comme ça, alors envoyez vos questions à feu maintenant. Et comme ça, cette semaine, je vais faire un truc comme ça, parce que vous avez comme réagi, hein. Vous me donnez des questions, moi je réagis au truc et voilà, bla, bla, bla. Comme ça, on ne se manque pas, mesdames et messieurs. Vous avez vu, j'ai fait ça tout de suite, là, une petite idée. Et comme ça, on ne se perd pas de vue, mesdames et messieurs. Alors, à la prochaine. Bam!
Fabs fin des vlogs, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons vœux. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis bon, passez-le en famille, avec vos amis, amusez-vous bien. Et bon, faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas trop, bien sûr. Ne buvez pas trop. Attention, comme vous savez très bien, quand vous buvez trop, vous mangez trop. Bon, ben, ça va faire mal, c'est ça. Alors. Ok, au revoir. Posez les questions, envoyez les questions à feu. Et comme ça, cette semaine, comme on a dit, j'y réponds et puis on fait un petit truc. Ok? Au revoir. Bisous. Bye bye. Bam!